Avez-vous déjà réalisé combien il est difficile de communiquer dans une langue étrangère quand nous décidons d'émigrer vers un pays avec culture et langue différentes, comme un Haïtien qui parle créole, qui va en Dominicaine, qui parle espagnol? La migration est un phénomène social largement motivé par des crises humanitaires que nous ne devons pas ignorer tant que peuple, pays, société civile, politiciens, entrepreneurs. Et donc, la conception de ce projet fait partie de la solution. Tezin. Tezin est une application gratuite, un app audiovisuel avec des informations sur République dominicaine en créole haïtien. Les utilisateurs trouveront des icônes comme recherche d'emploi, procédure d'immigration, adresse, lieux importants, etc. C'est une manière de diminuer la barrière de la désinformation, la barrière linguistique et les différences culturelles. Donc moi, Mackinson Jean-Baptiste, un immigrant, un ingénieur industriel, écrivain traducteur, ont vécu pendant mes 5 dernières années en République dominicaine, ainsi que les 7000 Haïtiens qui résident en République dominicaine. Donc aujourd'hui, nous invitons à partager avec nous ce projet, à supporter notre projet juste pour réduire la vulnérabilité des migrants, surtout les migrants dans le monde entier.